Bonjour, j'aime les fleurs et pour moi, la vie est belle. Je fais du sport depuis toujours, en montagne, des écrins à l'Himalaya, au Sahara où j'ai beaucoup fait de ski sur pierre. Mais du côté de Toulon, je suis davantage connu pour être un skieur sur pierre. En tant que kinésithérapeute, je suis spécialisé en méthode Maizière, c'est-à-dire dans les problèmes de mal au dos, mal du siècle. La méthode Maizière marche bien pour cela. Mon cabinet me plaît, il est décoré avec mes livres de travail, mes tableaux. Le 7 mars 2018, pendant mes vacances en Thaïlande, j'ai été victime d'une fracture de la prostate. La prostate n'est pas un os, mais une glande masculine qui, lorsqu'elle atteint la taille d'un melon, bloque le système urinaire. Mon hypertrophie de la prostate me vaut d'être opérée en France par voie abdominale transvésicale. Je ne m'attendais pas à une telle opération car je n'avais pas repéré les signes avant-coureurs qui accompagne l'hypertrophie de la prostate. Messieurs, connaissez-vous ces signes? Je me documente en lisant des livres traitant de la prostate. Et je conseille à tous les hommes de 40 ans et plus d'en faire autant car il vaut mieux prévenir grâce à une petite intervention par les voies naturelles plutôt qu'attendre une grosse panne de la prostate. Le chirurgien urologue ouvre le ventre et la prostate, il supprime l'adénome, referme le tout et ensuite on doit retrouver la banane en 3 à 6 mois. Cette opération lourde, douloureuse, me vaut de passer 10 jours dans une clinique varoise. Même si le personnel est au top, ce ne sont pas des vacances pour un Gaulois. Au bout de 10 jours d'immobilisation douloureuse en clinique, je m'enfuis presque et un taxi me ramène vite chez moi sur le port de Toulon. J'étais vraiment pressé de partir de cette clinique. Dès mon retour à domicile, je retourne dans la salle de fitness où je m'entraîne régulièrement, au minimum 4 fois par semaine. J'y suis allé de l'hospitalisation et je reprends tout de suite à mon retour. Je ne suis pas solide sur mes jambes car j'ai mal au bas-ventre et dans la région du périnée. On m'a interdit de faire des efforts, mais je sens que je peux faire quelques mouvements en douceur. Avant de devenir masseur kinésithérapeute, spécialisé en méthode Maizière, j'étais professeur de culture physique et de musculation à 21 ans. Aujourd'hui, à 68 ans, pour m'entretenir, je n'ai plus besoin de soulever des charges lourdes ou de travailler vite. J'étire mon dos en douceur. Je fais des mouvements de torsion pour conserver un peu de souplesse, la retrouver, car l'hospitalisation, l'intervention chirurgicale m'ont beaucoup enraidi. La souffrance fait mal au dos aussi. Je travaille le haut de mon corps sans appuyer mes fesses, de façon à éviter de faire mal au périnée. Quand je m'assois, je le fais comme si je m'asseyais sur des œufs. That's
Cette machine permet de faire travailler les muscles psoas iliaques, qui sont souvent raccourcis et trop forts. Ils tirent sur le dos et parfois lui font mal. Les étirer en douceur fait du bien aux deux. Trop peu de pratiquants de musculation étirent suffisamment leurs dos. Ils sont encore moins nombreux à entretenir la souplesse des muscles situés derrière les cuisses, les ischio-jambiers. Ces muscles postérieurs ont plus de tissu aponevrotique que les muscles antérieurs. Et donc, ils se raccourcissent davantage en s'enraidissant. Et ils participent au mal au dos, le mal du siècle. Lutter contre le raccourcissement de ce que Françoise Mézières a appelé la grande chaîne musculaire postérieure devrait faire partie de tous les entraînements en musculation, en fitness et après avoir fait des exercices sportifs. C'est une base si on veut éviter d'avoir mal au dos. Deux machines sont complémentaires. L'une travaille les fessiers et les muscles qui écartent les cuisses, et l'autre exerce bien les adducteurs qui serrent les jambes. Quel que soit le mouvement, le travail de la respiration et donc du ventre est capital. Surtout en cas de faiblesse des muscles abdominaux avant ou après une intervention chirurgicale touchant l'abdomen. Ici encore, je surveille ma position assise afin de préserver mon périnée. Je fais des mouvements plus petits, je respire profondément, gros ventre, petit ventre, travail du diaphragme, travail des muscles profonds abdominaux et transverses qui massent les viscères abdominaux. À la poulie, je me réhabitue gentiment, entraînant mon dos et mon ventre à effectuer des contractions musculaires modérées qui exercent des pressions contrôlées sur mes viscères. C'est une forme de culture physique des organes internes. À la poulie, je travaille aussi mes bras, surtout mes triceps, tout en me concentrant sur le ventre et sur le dos. J'accompagne mes mouvements, surtout le dernier, au ralenti, pour stimuler mes muscles sur le mode excentrique. Excentrique ne veut pas dire être excentrique. Heureusement que j'ai une belle vue sur le port de Toulon, car je suis très limité dans l'exercice de mon activité de kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières. 3 mois plus tard, je retourne en salle de musculation. La poulie, eh bien, je vais plus vite, je vais plus fort, même si je continue à utiliser des charges légères. Les gens qui pensent que pousser lourd n'ont pas tout compris dans la musculation et ils se retrouveront tôt ou tard chez les médecins, les kinés, les ostéos. Ah là là, j'ai mal ici, j'ai mal là. Donc il vaut mieux travailler avec des charges modérées, les muscles sont exercés et j'enchaîne un travail des biceps avec un travail des dorsaux. Au même appareil, je gagne du temps et là, je contrôle mon retour lentement. Travail excentrique des bras, du dos, travail très bon pour le dos. Je me relâche et lentement, je me penche en avant. J'étire mes bras, j'étire mes jambes, je respire profondément. J'assure la position de mon dos, j'appuie mes mains sur mes genoux, je déplie mon dos pour éviter d'avoir mal. Je reviens vers l'appareil permettant de travailler la poitrine, les bras, les épaules. J'ai mis un peu de charge, mais pas trop, et j'augmente le rythme
parce que ça va mieux. Je suis bien assis cette fois-ci, je n'ai plus de problème de périnée. Je peux travailler endurance, résistance, vitesse, lenteur, contrôle du mouvement. Je n'abîme pas le matériel comme les abrutis à petits bras, qui pensent avoir des gros bras et qui lâchent les barres comme des cons. Je m'étire en avant, je m'étire en redressant mon dos, je prends mon temps, je ne suis pas pressé. À 68 ans, je ne suis pas pressé. À 20 ans, j'étais entraîneur haltérophile. On m'a appris à soulever des barres sans me démolir le dos. À 68 ans, je continue à protéger mon dos par des bons mouvements. Quand je travaille mes biceps, je n'ai pas besoin de balancer mon corps comme certains qui n'ont pas compris grand-chose à la culture physique. Un superset, des bras, je travaille les dorsaux. Les dorsaux et les bras sont des muscles complémentaires qui marchent bien les uns avec les autres. Je m'entraîne à l'ancienne parce que je suis un vieux prof de culture physique, un vieux kiné. Je respire avec chaque mouvement profondément de façon à pouvoir continuer à bien faire et je repose ma barre sans la lâcher. Je respecte la barre, je respecte la salle. Les abdos, les abdominaux, on peut les faire vite, on peut les faire fort. Quand on a été opéré de la prostate, que tout n'est pas encore cicatrisé, eh bien, il vaut mieux travailler ses abdominaux tranquillement, sans se presser, les refaire, pas pour faire des tablettes de chocolat, mais pour qu'à l'intérieur, les fibres abîmées par l'opération, par les coupures des muscles abdominaux, se refassent doucement. Dans ce mouvement, je ne mets pas de charge. Je prends un temps d'arrêt, de façon à pouvoir travailler mes muscles abdominaux et ceux de mon dos en harmonie, en statique et puis au ralenti. Je préserve mon dos, je me refais un ventre à l'intérieur. Je travaille mes muscles profonds. Peu de gens connaissent leur transverse, savent où il est. Peu de gens savent qu'il y a un rapport entre les jambes et les abdominaux. Là, j'ai fléchi mon buste, je travaille mes abdominaux, je fais un petit mouvement de souplesse des chevilles, qui est aussi un mouvement d'étirement de mes jambes, de mes ischio-jambiers. J'ai bien travaillé, je prends quelques secondes à respirer profondément avant de repasser vers un autre exercice, le travail des dorsaux. Je suis un ancien grimpeur, varapeur. Après plusieurs accidents, j'ai levé le pied. Et bien maintenant, à 68 ans, j'ai décidé que j'allais reprendre l'escalade et voir si j'arrive à faire ce que je faisais quand j'avais 34 ans. C'est un challenge, un défi que je me lance. Je me suis lancé des défis à ski, beaucoup de défis sportifs. Et je n'ai pas fini. J'espère bien continuer. Pour ça, je fais attention à mon dos. Je le protège. Je l'étire. Je travaille au ralenti. J'associe le renforcement musculaire, l'entretien musculaire, l'entretien de la souplesse. Cet exercice, vous m'avez vu le faire tout doucement au début. Et maintenant, une fois que j'ai remis mon bandeau à la Daniel Herrero, joueur de rugby du temps où j'étais jeune et qui était pour moi un modèle, qui est toujours un modèle parce que c'est devenu un vieux sportif en forme, je travaille ma souplesse de manière plus dynamique que quand j'avais mal au ventre et que je ne pouvais pas bouger. Je n'ai pas besoin de prendre des charges au bout des bras. Le poids de mon corps me suffit pour entretenir la souplesse, la force dynamique et statique des muscles de mon dos. J'effectue des variantes
sur cet appareil, à partir d'une même position. Je travaille mes muscles paravertébraux sans excès. Françoise Mézières disait, nous avons des muscles, utilisons-les. Je le fais en respectant mes maîtres. Alors Eric, une petite question. Oui. Comment se fait-il que tu aies eu ce problème de prostate, malgré une telle condition physique et autant de pratiques de sport dans ta vie ? Je pense qu'un problème de prostate, ça ne se fait pas sur quelques mois ou sur quelques années, mais sur beaucoup d'années. Et il y a une trentaine d'années, j'ai eu des problèmes avec des imposteurs, c'est-à-dire des mauvais employés des finances publiques, et que je leur dois un accident vasculaire cérébral. J'ai réparé les morceaux pour ça, mais je pense que le problème de prostate est lié aux soucis que m'ont causé ces mauvais fonctionnaires. Alors Eric, une deuxième question maintenant. Oui. Maintenant que tu as été opéré, que comptes-tu faire ? Quel est ton devenir ? Eh bien, m'entraîner raisonnablement par rapport à mon âge, aujourd'hui 68 ans, en vue d'être un peu plus en forme quand j'aurai 77 ans. Et à ce moment-là, eh bien, on envisagera peut-être un peu plus, mais en forme. Vivre en forme grâce à un entraînement physique au quotidien, de la culture physique, de la kinésie, du massage, du yoga, différentes choses, et puis des vacances, quand je peux m'en offrir, avec les petits poissons, le week-end, en France, en Thaïlande. Ce sont mes rêves. S'entraîner dans une salle, c'est bien, c'est pratique, mais ne vivre que dans une salle et ne pas utiliser ses muscles, c'est bien dommage. Moi, j'ai besoin de m'aérer et le jour même, du côté de Toulon, je plonge en apnée jusqu'à une dizaine de mètres, je rends visite à des petits poissons, super sympas, qui n'ont pas trop peur de moi. Je remonte tranquillement. En ce moment, pendant l'été, je nage 2 à 3 fois par semaine, en apnée, pendant quelques heures, à la découverte de la côte. J'ai des vidéos que vous pouvez voir sur YouTube, pas mal de vidéos. Et j'espère qu'aux vacances de la Toussaint, aux vacances de Noël, je retournerai voir les petits poissons de Thaïlande, qui sont plus gros que les poissons du Var, leur dire bonjour, saluer les tortues, les sirènes, les restes des sirènes en Thaïlande. Voulez-vous m'accompagner en Thaïlande ? Regardez, je nage encore.